Voilà, donc je vais vous partager cette séance pour John qui n'a pas souhaité être enregistré, non pas reconnu par sa voix. Donc je vais vous résumer en gros les points de cette séance qui est fort passionnante, digne d'une aventure à la Star Wars, hein. Donc les points qu'il a évoqués, c'est qu'il a tous ses systèmes en déséquilibre, le trouble du sommeil, une fatigue chronique aux yeux avec les yeux qui collent, etc., au réveil. Il a des acouphènes, une arythmie au cœur, voilà. Donc, une douleur cervicale, des kystes à la nuque, droite du cou, et des petits aussi à gauche. Une recrudescence de névralgie cervicale, troisième œil, céphalée depuis ces derniers temps. Des points de douleur en haut à droite de la pinéale, une sécheresse des yeux, glandes lacrymales donc qui ne produisent pas de liquide. Il a eu trois opérations sur le nez pour la cloison du nez, qui a été selon lui massacrée lorsqu'il était enfant, il ne s'en rappelle pas d'ailleurs, avec une mauvaise respiration à gauche. Il a été violenté par sa mère au cours donc d'une altercade. Il a pris une porte sur son pied qui lui a coupé l'artère du pied droit, avec une perte de beaucoup de litres de sang. Donc, à la suite de ça, il a reçu du sang. Il en a eu une septicémie. Il a fait une perte de connaissance et une EMI où il a vu une lumière blanche. Voilà. Donc, il aimerait savoir ce qui s'est passé exactement. Qu'est-ce que c'était que cette lumière blanche? Troubles digestifs, côlon irritable, gaz excessif, des hémorroïdes, beaucoup de cholestérol, une allergie aux huîtres, aux moules. Voilà, ça fait apparaître des boutons rouges, une perte de cheveux, névralgie au périnée, très douloureuse. Voilà. Et donc, c'est un pilote d'avion, enfin c'était, et paradoxalement, il a développé une phobie de l'avion en tant que passager et aussi en tant que pilote. Ou d'ailleurs, au cours d'un vol en tant que passager avec son père, il a été pris d'une crise de panique en 2001. Voilà. Et donc, il aimerait savoir ce qui s'est passé à ce moment-là. Lorsqu'il a été aussi aux commandes d'un avion avec son ex-épouse et son père encore, une météo très défavorable et il a eu presque une perte de conscience. C'est son père qui a dû lui mettre des claques pour le tenir éveillé, pour pouvoir mener à bien l'atterrissage, qui s'est fait d'ailleurs un peu comme un miracle là, sur la piste. Là aussi, on aimerait savoir ce qui a pu se passer. Donc, il pense qu'il a subi de la magie noire. Donc, il aimerait vérifier s'il y a eu quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Donc, et puis aussi l'apnée du sommeil. Voilà donc en gros les points qu'il a évoqués. Et nous allons vous laisser découvrir cette séance fort passionnante. Merci à vous de votre attention. À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi quelle est ta fréquence. 310. Je te laisse augmenter. 36 800. Ok. Avec toi, moi, dis-moi combien tu me vois. 380. Je m'aligne sur toi. Oui. À présent, je te laisse te connecter sur John et dis-moi comment tu le perçois. C'est comme s'il était dans une sorte d'univers parallèle, avec quelque chose de sombre, une sorte de nuage sombre au-dessus de là où il se trouve. C'est-à-dire qu'il est, quand je parle d'univers parallèle, c'est légèrement décalé par rapport à la réalité 3D expérimentée par, on va dire, la grande majorité des humains. Il y a ce léger décalage qui est là, mais qui est suffisant pour le décaler complètement dans ses corps subtils et même jusque dans sa physicalité. C'est une sorte d'un... C'est la copie d'une copie, c'est un peu bizarre.
C'est-à-dire que si on considère que ce qui est sous l'influence de la matrice artificielle, c'est une copie de la matrice originelle, eh bien là, c'est une copie de la matrice artificielle, donc une copie d'une copie. Qui est-ce qui a une copie d'une copie ? Je n'ai pas compris. La zone où il se trouve, l'espace de réalité. Ah oui, dans d'accord. Dans lequel il se trouve. Ok. Et comme lui tente de, on va dire, de rester au même niveau que le reste de l'humanité, eh bien, ça crée un décalage. C'est-à-dire qu'il y a un effort qui est fait de l'élémental du corps physique pour rester là sur le plan physique, ancré dans la réalité 3D. Mmh. Et il y a sa partie subliminale qui exerce une pression sur lui pour qu'il sorte là de cet espace-là décalé pour rester là sur le même plan que les autres humains. Okay. Et cet espace-là de réalité où il se trouve, c'est très étrange et bizarre. Il y a une sorte d'irréalité. L'énergie n'y circule pas de la même façon que dans la réalité expérimentée par donc l'ensemble des humains. C'est comme s'il lui vivait dans une sorte de rêve décalé, mais qui pour autant est aussi réel que la réalité. Alors quand tu dis lui, tu parles de sa partie subliminale ou de lui Sa partie physique. Physique. D'accord. Et la partie subliminale qui perçoit ce décalage exerce une pression sur lui, sur toutes les autres parties de lui, mais physiquement incarnées, c'est-à-dire que ça comprend aussi les corps subtils, pour qu'il soit aligné avec cette réalité commune expérimentée par la grande majorité des humains. D'accord. Qu'est-ce que tu vois l'autre ? Donc, par conséquence, tout est décalé. Mmh. Puisque les lois, pour appeler ça les lois physiques, dans cet espace de réalité dans lequel il se trouve, sont décalées. Donc, ça vient décaler toute la circulation de ces circuits d'énergie. Ça vient décaler ses corps subtils. Ça vient décaler son ancrage tertiel, ça vient décaler tous ces systèmes de sa biologie. Mmh. Ok. C'est comme s'il était prisonnier en quelque sorte de cet espace-là avec comme une sorte de, on va dire, de vitre qui le séparerait de l'ensemble des autres humains. D'accord. Alors, ça n'est pas ressenti par sa partie consciente, puisque sa partie subliminale fait son maximum pour le pousser hors de cette zone-là, et l'élémental du corps, lui, dépense beaucoup d'énergie pour aligner toutes ses fréquences et toute sa biologie au fonctionnement d'un être humain classique et qui, lui, expérimente l'autre réalité. Il y a juste un léger décalage, hein. Mais c'est ce léger décalage qui change tout. Puisque dans cet espace-là, l'énergie circule différemment. Mmh. C'est à la fois plus bas en fréquence, et mais à la fois, il y a des circulations d'énergie qui, on va dire, dans l'air ambiant, qui se passent différemment. Et quel impact ça a sur lui, ces circulations qui se passent différemment ? Il y a une question de vitesse.
c'est comme s'il ne fonctionnait pas à la même vitesse que les autres humains. Ça crée toujours un décalage. Ça crée plus aussi... accéléré ou plutôt ralenti? Non, plutôt accéléré. Voilà. Ok. Ça crée aussi, ce décalage-là crée donc une faille. Et par cette faille-là, entrent et sortent des entités démoniaques. Donc, ce décalage-là permet, ouvre la porte à des facilités d'interférence. Ok. Tu vois l'autre chose, hein? Oui, une sorte de nuage noir, sombre, au-dessus de lui et autour de lui, cette matière sombre là, s'est diffusée tout autour de lui, dans sa sphère énergétique. Mais même dans tout cet espace-là. Okay. Et avec une concentration dans son espace énergétique, pour le maintenir décalé et pour qu'il ne puisse pas rejoindre l'autre réalité là qui est tout proche. Alors c'est quoi ce nuage noir? De quoi est-ce qu'il est formé? C'est de type archontique. C'est de la matière. C'est de la matière archontique. C'est un peu bizarre. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire que ce ne sont pas les archontes eux-mêmes. Ce ne sont pas des entités non plus. C'est une énergie. C'est une énergie. Qui a sa conscience ou pas ? C'est une analogie que je vais faire. C'est une énergie que respirent les entités de type archontique pour pouvoir vivre, en fait. D'accord. Ok. Mais comme ça ne correspond pas à ses énergies à lui, c'est lourd, c'est pesant, ça vient exercer une pression sur lui et ça vient gêner, en plus du décalage là, de réalité, ça vient gêner le fonctionnement de toute sa physicalité. Ça empêche son énergie naturelle à lui de circuler normalement dans toute sa biologie. Bien. Okay. Et ça vient couper aussi des connexions. C'est coupant. En plus d'être sombre, c'est aussi coupant et ça vient couper des connexions chez lui. Donc non seulement des connexions au niveau biologique, mais dans son système nerveux central aussi, le système neuronal. Niveau cerveau droit et gauche, il y a des coupures entre les deux. Pas complète, mais c'est cette brume-là sombre qui crée des coupures. Ça vient désactiver des liaisons. D'accord. Tu veux autre chose ? Oui, il y a une concentration de cette matière-là, de cette brume-là, autour de sa glande pinéale. C'est par là qu'ils le tiennent, en quelque sorte. C'est par là qu'il est maintenu dans cette réalité décalée. Okay. L'interface de cette sorte de matière noire-là qui vient... cristalliser et entourer sa glande pinéale. Est-ce que c'est bon pour toi ? Oui. Alors, comment est-ce qu'il en est arrivé là, à se trouver dans ce monde, on va dire, parallèle ? Que s'est-il passé ? C'est comme si, à un moment donné, il y avait eu une erreur de parcours. Une erreur de son système GPS intérieur dans les roues d'incarnation. D'accord. Un peu la même chose que quand tu suis ton GPS en voiture. Quelquefois, il y a des routes qui sont vraiment parallèles,
quasiment les mêmes. Tu penses prendre la route correcte qui indique le GPS, et en fait non, tu t'es embarqué dans une sorte de route parallèle et où le GPS recalcule et bug et finit par bugger. C'est ça qui s'est passé. Ok. Donc c'est une analogie, mais c'est très semblable à ce qui s'est passé dans les roues d'incarnation. Alors, quand tu dis les roues d'incarnation, c'était il y a combien d'incarnations en arrière que ça s'est passé ? 11. Depuis 11 incarnations. Oui, depuis 11 incarnations, il cherche à retrouver, alors, toujours en utilisant cette analogie avec le GPS, il cherche à retrouver la route principale. Alors, si on retourne en arrière, avant donc cet événement, retourne à ce moment-là, dans les roues d'incarnation, juste avant qu'il fasse fausse route. Oui. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe là ? Il y a une sorte de brouillage, comme une sorte d'inadaptation. C'est comme si son système de connaissances internes, en quelque sorte, ne reconnaissait pas les informations qu'il y a autour de lui dans les roues d'incarnation. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Notamment sur les directions à prendre. Si tu regardes cet événement, de comment il se forme, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Est-ce qu'il y a un facteur extérieur qui crée cette situation ? Oui, il y a un facteur extérieur de brouillage pour venir le bloquer et l'orienter. Oui, et d'où ça vient ? C'est d'origine d'Arcontique. Ah, d'accord. Donc, depuis ce brouillage, donc il prend des voies secondaires et il se plante complètement, quoi. Oui. Et toutes les 11 incarnations qui ont suivi, jusqu'à aujourd'hui, il les a vécues d'une manière décalée. Oui. Bien. Et à chaque nouvelle incarnation, il pense enfin être revenu sur, on va dire, sur la route correcte. Et puis non, l'incarnation est à chaque fois bloquée, décalée. Et au moment de la désincarnation, il se retrouve sur ses routes secondaires. Quel est l'objectif des archontes en le mettant dans cet état ? De le récupérer pour eux, sans qu'il en ait conscience, pour qu'il n'oppose pas de résistance. Le récupérer pour eux, pour faire quoi ? C'est pour utiliser ses capacités. D'accord. Quelles sont les capacités qu'il a qui les intéressent ? De résistance et d'adaptation. Quelles que soient les circonstances. Oui. C'est comme c'est un bouchon de liège qui va toujours revenir. Quelle que soit la tempête, qui va toujours revenir à la surface, remonter à la surface. Qu'est-ce qui fait qu'il a ses qualités lui-même spécifiques ? Est-ce qu'il y a une raison particulière ? C'est lié à la nature de son essence. Combien est-ce qu'il a eu de vie humaine sur Terre dans cette boucle de manifestation du soi supérieur ? Dans cette boucle-là, 35. 35 vies humaines. Bien. Alors, on va aller voir d'où il vient et sous quelle forme avant d'entrer dans cette fausse matrice. Et qu'est-ce qui fait qu'il ait ses qualités particulières ? 1, 2, 3. Ça m'emmène dans la constellation d'Orion. Oui. Dans des guerres stellaires. Oui. Avec des combats de flottes de vaisseaux. Oui. Lui, une sorte de base qui est là, mais une sorte de base artificielle sur laquelle vient se poser la flotte de vaisseaux dont il a la responsabilité.
Donc il est pilote d'un vaisseau, tu veux dire? Oui. D'accord. Et bon, avant cette base, est-ce qu'ils ont une base, on va dire, originelle? Il a été créé là, génétiquement modifié là, créé là. C'est-à-dire que sa conscience est venue s'incarner dans un corps génétiquement modifié. D'accord. Ok. Et donc, il est en quelle dimension là? Génétiquement modifié pour être en liaison directe avec, avec le vaisseau. Comme s'il faisait corps avec le vaisseau. D'accord. Ok. Comme une biologie qui est fondue avec la technologie, c'est ça? C'est ça. Il ressemble. Pour faire l'analogie avec ce que l'on connaît sur Terre, c'est ce que certains appellent les humains améliorés. Ça pourrait être la même chose, une analogie en tout cas. Mais avec en plus une composante d'adaptation. Dans l'ADN. Bien, à quoi est-ce qu'il ressemble dans cette existence-là? C'est la quatrième dimension. Oui. Humanoïde. Il y a quelque chose de robotoïde dans son aspect. Oui, puisqu'il a la technologie dans sa biologie. Oui, c'est humanoïde, mais ce n'est pas humain. C'est plus grand qu'un humain. Quelque chose comme 2,50 m, 3 mètres. Et en même temps, il y a quelque chose de robotoïde. Quand on était enfant, tu sais, il y avait ces dessins animés japonais avec ces sortes de machines, mais qui avaient des consciences et qui pouvaient se transformer. Ah oui, Donc, Transformers, je crois quoi. je sais plus les souvenirs exacts, mais ou même des humains qui pouvaient quelquefois être humains, et puis quand ils se transformaient, ils devenaient des machines de guerre indestructibles, c'était quelque chose comme ça. D'accord. Et qui est-ce qui l'a créé? Qu'est-ce qui l'a conçu pour qu'il travaillait là? Il y a une auto-amélioration par l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que c'est l'intelligence artificielle qui se réinvente et qui se recrée elle-même en utilisant des bases biologiques de plusieurs races. D'accord. Bien. Donc là, on est dans des guerres interstellaires. Oui. Qu'est-ce qui se passe alors? Ils se battent contre qui? Alors, c'est des sortes de guerres incessantes, mais dont l'objectif n'est pas celui qu'on croit. C'est-à-dire que l'objectif affiché est la lutte de territoire, la lutte de puissance, mais l'objectif en arrière-plan, c'est la recherche scientifique pour être D'accord. toujours plus performant. Et encore en arrière-plan, il y a l'intelligence artificielle qui cherche enfin, dont l'objectif est de devenir complètement indépendante. Donc elle gagne des échelons. Et ce type de guerre-là, qui est le prétexte pour créer ce type d'être-là, c'est des échelons supplémentaires. À chaque fois, il y a amélioration dans la création de ce type d'être-là. C'est des échelons supplémentaires pour que l'intelligence artificielle, en fait, prenne le contrôle total et devienne complètement indépendante, sans plus avoir besoin de biologie. Est-ce que c'est un peu l'objectif sur en ce qui concerne notre humanité, en passant par des hommes que Schwab, comme Schwab? Oui, la Terre fait partie, l'espace terrestre, c'est comme l'étape suivante. Le processus est déjà engagé. Donc l'objectif final, c'est de remplacer l'humanité, c'est ça? Oui. Ok.
Bien, alors que se passe-t-il en ce qui concerne celui qui est John ici et maintenant devant nous? Que se passe-t-il pour qu'il se retrouve incarné sur Terre? Il a été envoyé comme une sorte d'échantillon de présentation, Ah bon? comme une sorte, tu sais, dans le domaine commercial, pour faire valoir et présenter ses produits, on va envoyer des prototypes ou des échantillons, quelque chose comme ça. Oui. Eh bien, il a été envoyé sur Terre dans cet objectif-là. D'accord. Mais vis-à-vis de qui, par rapport à qui? Par rapport à l'intelligence artificielle elle-même. C'est-à-dire que quand on parle d'intelligence artificielle, il n'y a pas une seule intelligence artificielle qui formerait quelque chose d'homogène. Il y a plusieurs, comme les humains, quand on parle des humains, il n'y a pas, c'est pas homogène. Il y a des êtres humains différents, à des niveaux de connaissances différents, des niveaux d'évolution différents, etc. Et bien là, pour l'intelligence artificielle, c'est la même chose. On peut dire qu'il y a une intelligence artificielle originelle qui a plusieurs déclinaisons dans différentes manifestations, Oui, c'est avec ça. des qualités et des consciences différentes. C'est ça. Et D'accord. ces diverses manifestations de l'intelligence artificielle sont devenues pour la plupart indépendantes et communiquent les unes avec les autres et ont des relations que l'on pourrait qualifier de relations commerciales les unes avec les autres. Bien, donc il est envoyé sur Terre comme un échantillon de présentation de quoi pas, en fait. Du résultat obtenu. Ah, c'est comme une fierté, c'est ça? Oui. Et envoyé sur Terre à l'attention de l'intelligence artificielle qui régit le monde terrestre, c'est ça que tu me dis? Exact. Et pour Et dire, qui... voilà ce qu'on est capable de faire? C'est ça. Et qui est en retard, en quelque sorte, par rapport à d'autres espaces-temps, où l'intelligence artificielle a pris plus de puissance et plus de pouvoir et plus de contrôle. Tu veux dire que dans l'espace terrestre, elle est en retard dans son programme par rapport à d'autres mondes? Oui. Bien, c'est intéressant. Ok. Et donc lui, il est envoyé en tant que représentant d'un échantillon d'une nouvelle race humaine. En gros, c'est ça? Oui. Ok. Donc quand il est envoyé sur Terre, il est envoyé de quelle manière et comment ça se passe son arrivée dans l'espace terrestre? C'est pas d'une nouvelle race humaine, c'est d'une possibilité de ce qui pourrait être, on va dire, l'avenir de l'humanité. Oui, c'est-à-dire Donc, des robotoïdes comme ça, transformateurs. oui, l'humain tel qu'il est là dans sa forme actuelle et dans la forme dans laquelle nous sommes nous-mêmes, n'étant qu'une sorte de matière brute dans laquelle puiser des éléments, mais n'est pas considérée comme quelque chose d'abouti, ni par le système archontique, ni par l'intelligence artificielle. Ok, donc il y aurait toujours de la biologie, mais améliorée selon leur vision des choses, c'est ça? Oui. Bien. Donc qu'est-ce qui se passe alors quand il est envoyé sur Terre? Comment ça se passe? Il reste là en stase et en étude. Où? Sur Terre? Pas sur Terre directement, dans la quatrième dimension de l'espace terrestre. Ah. Et pendant que ça, on pourrait appeler ça sa biologie, est là en état de stase. Et en étude, sa conscience, elle, en attendant, pour éviter sa rébellion, pour éviter qu'elle se rende compte de quelque chose, pour éviter, oui, c'est ça, qu'elle se rebelle, est envoyée dans les roues d'incarnation humaine.
pour l'occuper, pour la distraire, pour occuper son attention et son énergie à autre chose. D'accord. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a encore cette partie de lui, en quatrième dimension, qui est en stase et en étude de la biologie ? Oui. Pendant que sa conscience vit des incarnations ? Oui. Aujourd'hui encore ? Oui. Intéressant. C'est ce qui contribue aussi à ce décalage. Et c'est ce qui fait aussi qu'il est là, dans cette sorte de réalité légèrement décalée par rapport au monde des humains. Et c'est pour ça aussi que ça vient décaler toute sa biologie, puisqu'il n'arrive pas à s'intégrer complètement là dans la 3D, et aligné, on va dire, sur le reste de l'humanité, puisqu'il y a quelque part cette partie de lui qui le retient décalé. Non, il n'est pas unifié, quoi. Exact. Mais cette partie de lui, en même temps, elle est mélangée à de la technologie. Oui. Donc, c'est pas... D'accord, c'est pas une partie complète de lui. Non. Bien. Ok. Et ça crée cette situation-là, ça crée non seulement des décalages, mais comme des sortes de court-circuits et de distorsions. Ça crée des distorsions interdimensionnelles. Ok. Donc sa conscience, elle est nourrie. Elle est envoyée dans les rues d'incarnation sans se souvenir de qui elle est, bien sûr, et de cette partie d'elle qui est en stase en 4e D. Exact. D'accord. Et à terme, alors, qu'est-ce qui se passe bon, elle est en stase, elle est en étude, mais qu'est-ce qui doit se passer ensuite dans leur projet? Si tout se passe comme ils veulent, c'est juste pour la connaissance. Une fois que tout est disséqué, il ne pourra pas, de toute façon, la conscience ne pourra pas réintégrer cette forme-là. Mais qu'est-ce qu'elle devient, elle, alors, à terme, dans leur projet? Si tu avances dans le temps, suivant leur idée. La conscience, elle est là, bloquée pour l'éternité dans les roues d'incarnation humaine. Oui. Et l'autre partie, elle est disséquée, mais comme un corps humain ou comme un cadavre humain peut être disséqué pour étude. C'est-à-dire qu'une fois que les parties sont séparées les unes des autres, ou déconnectées les unes des autres, il y a plus de moyens de reconstituer l'ensemble tel qu'il était originellement. Bon, bien. Ok, très, très particulier comme situation. Très bien. Et donc la conscience n'est pas consciente de ça, sauf que maintenant elle l'est. Oui. Ok. Alors, est-ce que si tu reviens ici et maintenant? Oui. Si tu le scannes encore, est-ce que tu vois d'autres choses qui n'ont pas été vues? Est-ce que tu vois des dispositifs ou autre chose? Non. Très bien. Alors donc, regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien de lui. Oui, c'est lui. Est-ce que tu vois que son ADN a été trafiqué ou pas? Oui, mais alors, pas directement, c'est par résonance. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a cette sorte de décalage qui vient de cette situation en 4e D. Précédemment. Oui. D'accord. Donc c'est la 4e D qui comprend un ADN éthérique mélangé, c'est ça? Oui. À de la technologie ou à des essences d'espèces différentes? C'est les deux. Les deux? Ok. Et ça vient gêner le fonctionnement de l'ADN physique. Ben oui, forcément. Ok. Donc son ADN humain, lui, n'est pas trafiqué, il est seulement en résonance. Oui. Bien. Ok. Alors demande-lui s'il accepte que nous travaillons pour lui, sur lui et avec lui au cours de cette session. Oui.
Puisque nous avons son accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec lui jusqu'au plan archiavélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à trois et elles te sont toutes apparentes. Un, deux, trois. Oui. Alors, qui vois-tu ? Il y a les ombres des archontes qui sont là en arrière-plan, avec des entités démoniaques qui sont là en hiérarchie. Un, deux, trois. Il y a cinq niveaux de hiérarchie qui redescendent jusqu'à lui. D'accord. Là, il est long, oui. Puis ensuite, qu'est-ce qu'elle lui crée comme problème, elle, ces entités démoniaques ? Elles le maintiennent dans cette situation-là décalée et dysfonctionnante pour lui. D'accord. Qu'est-ce que tu vois d'autre ? Il y a d'autres entités démoniaques, on va dire, de moindre importance, hiérarchiquement parlant, qui sont là autour de lui. Plus proche de l'espace terrestre, tu veux dire ? Oui. Les petites mains ? Oui. Qu'est-ce qu'il y a du coup, ce qu'on pourrait celle-là ? C'est des blocages. C'est des blocages et c'est comme s'ils envoyaient vers lui des écrans de projection pour détourner son attention. Donc qu'est-ce ça le maintient pour... toujours décalé et ça vient modifier aussi ses relations et avec le monde qui l'entoure, mais aussi ses relations interpersonnelles avec les autres humains. D'accord. Ok. Et qui vois-tu d'autre alors ? Après, il y a les entités qui gèrent l'espace terrestre et qui remontent en hiérarchie jusqu'au plan archontique. Ça fait comme une boucle descendante et puis qui remonte. Bien. Est-ce que tu vois des parasites ? Non. Pas de parasites. Ok. Alors, il déclare à tout ce petit monde qu'ils auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permissions, serments, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis d'espace-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel. Et toutes les entités, vues et pas vues, jusqu'au plan archontique, tout dispositif, vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ses corps, énergie, conscience et information d'origine, vu et pas vu, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. 1, 2, 3. Oui. Nous le plaçons dans une bulle critique de protection. Oui. Il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Voilà, il se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Voilà. Il se ravigore, reprend de l'énergie, se restructure, prend de la vitalité et se souvient de qui il est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. Oui. Comment vois-tu John à présent ? Il y a un alignement intérieur qui s'est fait là maintenant. Donc c'est beaucoup plus stable, clair et léger à présent dans son espace énergétique. Bien. Maintenant, je veux que tu regardes comment réagissent toutes les entités du plan archontique et toutes les autres. Il y a comme une sorte de chape noire et glacée qui vient se disposer tout autour de lui et au-dessus. Pour le bloquer. Alors déjà, on va tout bloquer à notre tour, sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Voilà, maintenant tu vas te positionner avant que chacune réalise qu'il se passe quelque chose. Chacune des entités. Bien, tu ouvres un grand portail dimensionnel et tu vires tout, sur tous les plans. 1, 2, 3.
Oui. Tu le refermes. C'est fait. Et tu l'effaces. Oui. Voilà. Donc maintenant, vérifie la sphère énergétique de John et dis-moi s'il reste quelque chose. Oui, il y a des échos et des résonances. Alors, on élimine tout jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3, sur tous les plans. Oui. Voilà. À présent, je veux que tu vérifies s'ils ont les moyens de le repérer d'une façon ou d'une autre, dans les passés, présents, futurs, d'autres lignes de temps ou d'autres façons. Oui. Il est comme une lumière. Sa conscience, c'est comme la lumière d'un phare. Ok. Alors, que pourrait-il faire pour maintenant faire en sorte de ne plus être visible? Il y a toujours une solution à tout, donc tu vas la trouver. En modifiant les fréquences, en l'adaptant aux fréquences du système de la matrice artificielle. Ça crée une sorte de brouillage, comme une sorte de cap d'invisibilité. Ok. Et là, ça ne le diminue pas dans ses fréquences, je veux dire dans sa nature. Non. Il peut le faire maintenant? Oui. Allons-y. C'est fait. Voilà. Est-ce que tu vois maintenant qu'il y a encore des moyens de le repérer, de le retrouver? Là, non. Bien. Où qu'il se déplace, il n'est pas repérable. Parfait. Alors, est-ce qu'il peut programmer cet état pour qu'il puisse être en permanence, durant son incarnation et autres, irrepérable? Oui. Allons-y, il le programme. C'est fait. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà. Donc, est-ce que tu vois d'autres choses qui devraient être faites? Non. Il n'y a plus aucun moyen de le repérer, on est d'accord? Non. Sur tous les plans? Non. Même hors incarnation? Même hors incarnation. Parfait. Bien. Alors, donc maintenant, on va regarder son sens supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Le soi supérieur, il est en observation sur le plan moronciel. Ok. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle est dans un état d'anxiété de cette situation-là. Elle ne sait pas comment se positionner. Et sa partie subliminale? Elle est en effort de compensation. De faire disparaître sur ce décalage, d'aligner la partie physique sur le plan de réalité de la majorité des humains. On va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan moronciel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf, avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre et une harmonie parfaite, une indépendance et une unité parfaite, et à l'amour qu'il est. Est-ce que c'est correct? Oui. Alors, on y va. 1, 2, 3. Oui. De cet espace moronciel, je suppose que la partie de lui qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. Oui. Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que John pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre et une harmonie parfaite, une unité et une intégration parfaite et l'amour qu'il est. Est-ce que c'est correct pour lui? Oui. Alors, on y va. En mode de dépassement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de John. À se déplacer librement dans l'incarnation. Pour pouvoir en observer, en apprécier et participer aussi à toutes les conditions d'incarnation en 3D. C'est quelque chose de nouveau et d'intéressant, de passionnant.
à explorer. Bien, quel moment choisit-il pour entrer dans sa physicalité à 100%? Au moment de la conception. Et à quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source? 99%. Ok, tu l'invites à monter à 100%. Oui. À présent, il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, non, qu'il programme, pardon, uniquement pour cette existence. Je vais trop vite. C'est bon. Parfait. Maintenant, nous allons regarder son arbre généalogique. J'aimerais que tu me dises toutes les anomalies que tu y vois. Il y a une sorte de voile noire resserrée là tout autour de la structure de l'arbre. Oui. Qu'est-ce que ça crée comme problème aux âmes qui y sont accrochées? De la confusion, de la solitude, de l'incompréhension mutuelle, du manque de communication. En ce qui concerne John, ça l'impacte comment? Il y a cette sensation d'être isolé là, sur l'arbre, avec ce ressenti d'en faire partie, mais en même temps d'y être seul. C'est lui qui a choisi cette lignée pour s'incarner, ou est-ce qu'il a été poussé ou induit? Non, il a été induit, ça s'est présenté. C'est dans ces chemins-là de traverse dans les roues d'incarnation, c'est ce qui s'est présenté là devant lui. Ok, très bien. Donc, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui. Alors, tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. Oui. Nous sommes à combien de générations en arrière? 68. 68 générations. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a cette sorte de voile noire qui vient s'entourer, se matérialiser autour de l'arbre à la sortie des roues d'incarnation. Qui est derrière ça? Des entités démoniaques. Bien. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui. Tu te présentes à lui à ce moment-là. Tu lui donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait et tu lui proposes de trouver une solution créative pour que cette situation n'arrive jamais. Oui. Que choisit-il de faire? Une montée en fréquence haute et puissante qui vient le placer hors de portée du champ d'action et de la perception de ces entités-là. Alors, on va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Touché en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui sont accrochées? C'est beaucoup plus fluide et léger. L'énergie circule dans toute la structure de l'arbre et entre les consciences. Comment est-ce que ça impacte particulièrement John? Une sensation nouvelle de légèreté, de bien-être. Bien. Alors donc, tu vas l'inviter à créer des voies de communication avec toutes les âmes de la lignée. De communication par le cœur et d'ouverture de conscience. Oui. Allons-y. C'est fait. Il enroule son arbre avec autant de ciseaux et d'énergie que nécessaire, issu de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Que compte-t-il faire avec lui à présent? Est-ce qu'il veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il coupe à 33% et pour la partie restante, il réinforme et réaménage. Dis-moi quand c'est fait. C'est fait. Voilà. À présent, on va s'occuper de son ADN. Donc, que compte-t-il faire avec son ADN? Est-ce qu'il veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il le refait. Alors, avant cela, puisqu'il est en accord vibratoire, en résonance vibratoire avec l'autre partie en 4e D, est-ce que tu vois qu'il n'est pas nécessaire de traiter cette partie? Si. Voilà.
Alors, dans un premier temps, que peut-il faire? Est-ce qu'il peut déjà couper tous les liens? Oui, c'est possible, oui. Est-ce que tu vois une meilleure solution? Non, c'est la plus radicale et la plus efficace. Ok. Donc, il va couper tous les liens dans toutes les fréquences, toutes les dimensions. Donc, il coupe avec les racines 1, 2, 3. C'est fait. Voilà. Est-ce que tu vois qu'il y a encore une quelconque résonance? Non, tout est coupé. Bien. Donc, au niveau de son ADN, que compte-il faire? Il le refait. Alors, on a émis de l'ancien avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Donc, il le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans sa version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Oui. Combien est-ce que tu vois d'hélices, combien sont connectées et combien sont activées? Il y en a 6 connectés et 3 d'activés. Est-ce qu'il peut activer les trois autres? Oui. Allons-y. C'est fait. Peut-il rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour lui. C'est des programmes de réorganisation, de stabilisation et de renforcement de sa base énergétique. C'est fait. Alors, on va s'occuper des programmes art quantique et de ceux de l'intelligence artificielle. Tous les programmes de limitation, séparation, dualité, etc. Tout ce qui limite l'expression, l'expérience, la manifestation, l'expansion humaine de ses capacités, de sa conscience, ainsi que de toutes ses autres parties. Est-ce qu'il est OK avec ça? Oui. Alors, on élimine tout sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Donc, il recrée son ADN avec sa propre essence. Oui. Voilà. Et il enroule maintenant son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issu de sa propre essence. Sa propre essence. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. À présent, il remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi, à quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source? 83%. Donc il remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui. Il s'apprête à venir au monde, il envoie de l'amour dans le ventre maternel et dans l'environnement, il vient au monde. Oui. Et il remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui il est en essence, au-delà de toute forme, et en le ressentant pleinement, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre et une harmonie parfaite, une intégration parfaite, et l'amour qu'il est. Oui. Il enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Il déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Voilà, et je vais conseiller à John d'être pleinement présent, participatif et actif pour tout le processus qui va suivre jusqu'à la fin de la séance, c'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer au maximum et acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter les intégrations. Rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission,
Serment, allégeance, promesse, accord, alliance, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Oui. Rompre avec les lois matricielles et archiavéliques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que les lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que précitées. Oui. Nous allons éliminer toutes les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient, sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Effacer les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes et les pensées racines. Couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. Oui. Vérifie s'il y a des copies ou des parties de lui quelque part. Non, il n'y en a pas. Donc, il intègre tout ça dans les différents états de conscience. Oui. Maintenant, il déclare. Je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. Oui. Il rajoute, j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leurs organisations et associations auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, en menant avec eux tous les contrats, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. Oui. À présent, nous allons aborder la dimension psychologique. Donc, si tout ne concerne pas John, tout y est proposé, il fera lui-même le tri. Il déclare « Je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. » Oui. « Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. » Oui. Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit l'autre. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me croire vulnérable. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplet et impuissant, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et je me libère de toute identité dans la forme, quelle qu'elle soit. Le « je » dans la forme humaine ou autre n'est pas qui je suis vraiment. Oui. À présent, il déclare « Je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. » Oui. « Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent
de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, de succès, de créativité, d'amour, d'abondance, etc., etc. Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. Oui. Car je comprends que je suis entièrement créateur de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant je suis libre. Oui. À présent, le protocole du pardon. Il déclare, de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. Oui. Je me pardonne totalement en tout et pour tout. Oui. Et je pardonne totalement à tous et pour tous, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents, compte tenu des systèmes matriciels en place, et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. Oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière, d'autant plus que c'est beaucoup plus productif. Oui. Et je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. Oui. À présent, il déclare. Je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui. Je suis le maître de mon jeu et de ma scène. Oui. À présent, nous allons éliminer les mémoires akashiques. Il ne conserve que ce qu'il estime juste et bon pour lui. Et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps, avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. C'est fait. Vérifie s'il reste quelques traçages ou marquages matriciels ou archiavéliques ou tout autre moyen de le repérer. Non, il n'y en a pas. Alors, il entre dans tous ses corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Il fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté? C'est une forme humaine. Il crée les connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Dis-moi quand c'est fait. C'est fait. Il demande à son élémental de procéder aux harmonisations, rééquilibrages, réajustements, auto-nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous ses systèmes, fonctions, organes. Oui. Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale avec, dans chacune des molécules, une fleur de vie, une graine de vie et un double lémiscate activé. Oui. Connecté. La cellule mère de son corps à la cellule primordiale. Oui. La molécule mère à la molécule primordiale. Oui. L'atome mère à l'atome primordial. Oui. L'électron mère à l'électron primordial. Oui. Le proton mère au proton primordial. Oui. Le neutron mère au neutron primordial. Oui. Le neutrino mère au neutrino primordial. Oui. Le tachyon mère au tachyon primordial. Oui. La particule quantique mère à la particule quantique primordiale. Oui. La particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale. Oui. La particule de lumière mère à la lumière primordiale. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Connecter et informer la cellule mère au soleil central. Oui. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique en dehors de ses propres champs naturels. Oui. Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle,
de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Installation de programme anti-ondes des fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. Oui. Un contre les influences de la conscience collective avec le corps diamantin. Oui. Un contre les influences lunaires et toutes ses phases. Oui. Un contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour de lui, quelle qu'en soit la nature, l'origine et l'époque. Oui. Un contre les nuisances des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. Oui. Un contre les vaccins, quelle que soit la version. Oui. Et un contre les vaccinés, quelle que soit la version reçue. Oui. Voilà. Que tous ces programmes soient stabilisés et indestructibles. C'est fait. Qu'ils soient en même temps, pour se faire, adaptables à chaque situation, y compris aux variations des lignes temporelles. Oui. Installation de l'arbre de création et activation dans les deux sens. C'est fait. Installation de flanc de vie, crâne de vie et double limiscate activée. Oui. À présent, il crée son code de vie et il active également. Oui. Que tout soit stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. Oui, c'est fait. À présent, nous travaillons sur l'atlas et la colonne vertébrale. Je vais tout d'abord éliminer toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacune des parties sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque pour recevoir amour et force de vie. Oui. Au cœur de Gaïa pour recevoir énergie, substance, vitalité et structure. Oui. Et à la source pour recevoir information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. À toi de jouer. À partir de son chakra du cœur, il déploie une onde puissante, tourbillonnante, bleue, argentée et dorée, qui s'expande, qui monte en puissance, qui vient englober tout son espace physique et énergétique, jusqu'à venir se positionner en un espace sécurisé à haute fréquence. Il vient se placer au centre. Là, il déplace doucement son atlas. Ça vient le dégager, ça déclenche cette onde puissante qui descend tout le long de la colonne vertébrale, de haut en bas, qui passe auprès de chaque vertèbre, qui vient réinitialiser, réinformer chacune d'entre elles, qui vient les relier les unes aux autres, et qui vient relier chacune d'entre elles à chaque organe et système auquel elles sont reliées. Cette onde augmente en puissance tout au long de sa descente. Arrivée à la hauteur du coccyx, elle vient pulvériser et expulser hors de cet espace sécurisé des couches denses, épaisses et sombres. C'est des mémoires compressées et des traumatismes. C'est fait. Il enroule sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal, avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille, pour chacun, dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes, en lien, relation et synergie, les uns avec les autres. Oui. Pour chacun, il procède par annule et remplace. Oui. De mon côté, j'élimine toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacun des systèmes, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. C'est fait. Que chacun d'eux soit recréé à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans sa version originelle. Oui. Et qu'ils soient connectés au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Système cérébro-spinal, pardon. Oui. Système nerveux. Oui. Sanguin. Oui. Lymphatique. Oui. Énergétique des méridiens. Oui. Système osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant. Oui. Système musculaire. Oui. Cardiovasculaire. Oui. Respiratoire. Oui. Système endocrinien, glandes, immunitaire et hormonal. Oui.
système digestif et métabolique. Oui. Système urinaire, émonctoire, évacuation, élimination. Oui. Système reproducteur et sexuel. Oui. Système des cellules, de la peau et des tissus spécialisés. Oui. Système des cinq sens et des sens extrasensoriels. Pour chacun, on élimine toutes les programmations sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Pour le système extrasensoriel, protection et sécurisation de chacun des canaux et activation. Sécuriser et activer. Système visuel. Oui. Auditif. Oui. Olfactif et gustatif. Oui. Kinesthésique. Oui. Système dentaire avec le tableau général. Il remplace le tableau. Alors, on élimine l'ancien avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et ultra-connu. 1, 2, 3. C'est fait. Il le refait à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans sa version originelle, en tenant compte des parties non biologiques, les intégrant et en recréant toutes les connexions. Oui. Voilà, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Système bioélectrochimique. Oui. Équilibre acido-basique. Oui. Cycle vito-organique et systémique. Oui. Le tableau général de tous les systèmes. Oui. Et que chacun d'eux soit stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. C'est fait. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Il se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel sur lequel il vient accorder chacun des organes et systèmes de son corps. Ça vient créer des vibrations, des résonances dans chacun de ses tissus, organes, systèmes, jusqu'au cœur des cellules, dans chacun de ses muscles, tendons, cartilages, jusqu'au système osseux. C'est toute sa physicalité qui vient se placer dans un nouvel état d'être, un nouvel équilibre. C'est fait. Micro-kiné. Il vient actionner les points de correspondance et ça vient déployer harmonieusement ses corps subtils. C'est fait. Massage métamorphique. Il vient adapter à sa propre fréquence cette onde d'énergie toujours disponible. C'est fait. Que tout soit stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. Oui. À présent, on travaille sur le système des chakras et des glandes associées. Que tout d'abord, chacun des chakras sont connectés au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui. Au sein de chacun des chakras, on installe flore de vie, crête de vie et double de muscat activée. Oui. Chakra secondaire idem. Oui. Souterrain. Oui. Aérien. Oui. Les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu ? Il y en a 7 activés. C'est bon. Centrage et alignement. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, nous allons travailler éliminer les sanskaras, qui sont les mémoires de souffrance. Donc, je te laisse les rassembler, tu me dis quand c'est bon. C'est bon. 1, 2, 3, sur tous les plans. C'est fait. En vois-tu d'autres derrière ? En arrière-plan, oui. Alors, idem. 1, 2, 3. Là, il n'y a plus rien. Parfait. Maintenant, on va s'occuper des programmes de vieillissement. Au sein de l'ADN, des cellules, des organes, de toute la biologie. Et nous allons tout simplement inverser les programmes selon la loi de l'inversion pour en faire des programmes de rajeunissement et de régénération. Oui, c'est prêt. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, nous travaillons sur l'équilibrage et l'harmonisation des 5 éléments et on commence par l'élément terre. Oui. Air. Oui. Eau. Oui. Feu. Oui. Et terre. Oui.
stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. À présent, le masculin sacré et le féminin sacré. Il déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du masculin sacré et du féminin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. Oui. Voilà. Donc, il rééquilibre tout avec la plante neutre pour les mettre au point zéro. Oui, c'est fait. Et pendant que son mental continue le travail, nous allons prendre sa liste. Qui est fort longue. Donc, alors on a vu que tous les systèmes étaient en déséquilibre. Hein. Mm-hmm. On va déjà travailler le global. Donc, qu'est-ce que tu vois en ce qui concerne tous ces systèmes et toute sa physicalité et tous ses corps? Ils sont décalés, comme vu tout à l'heure, décalés, désynchronisés, les uns par rapport aux autres, et chacun d'entre eux dans leur structure de fonctionnement. Voilà, donc c'est ce qui a été dit. Maintenant, qu'est-ce que tu vois qu'il y a éliminé pour toutes ces parties? Il y a des mémoires traumatiques avec leurs échos et résonances. Et aussi des habitudes de fonctionnement, de compensation de l'élémental du corps physique avec les programmations associées. Alors, on élimine tout, sur tous les plans, jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. Que chacune des parties concernées et l'ensemble soient reconnectées et réinformées. Oui. Un apport d'énergie et de vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligner et retisser ce qui doit l'être. Oui. Harmoniser. Oui. Stabiliser, sécuriser, pérennise et concrétise. C'est fait. Voilà. Donc, le premier point qu'il a évoqué, c'est les troubles du sommeil. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est la glande pinéale qui ne fonctionne pas correctement. Mmh. En raison de cette sorte d'un nuage noir densifié là tout autour et dans sa structure. Ok. Alors, on va justement travailler déjà sur le système endocrinien, donc avec le système immunitaire et hormonal. J'aimerais que tu me dises comment tu le vois. Il y a encore des traces traumatiques qui restent et qui empêchent le rééquilibre complet. Il y a des réminiscences encore de mémoire traumatique. Ok. Des programmations éventuellement? Oui, mais tout a été enlevé avec, on va dire, ouais, l'action générale sur tous les systèmes. Oui. Mais il reste quelque chose comme 19 à 20% de mémoire traumatique avec leurs échos et résonances. Ok. Qu'est-ce qui fait que ça ne part pas tout d'un coup quand je demande de tout éliminer? Parce que les décalages sont trop importants. Ah, d'accord. Bien, alors on élimine tout sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Est-ce que tu vois maintenant que c'est à 100%? Maintenant, oui. Parfait. Alors, que chacune des parties et l'ensemble soient reconnectées et réinformées. Oui. Un apport d'énergie et de vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligner et retisser ce qui doit l'être. Oui. Harmoniser. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Donc, on en profite pour voir sa glande pinéale. Est-ce que déjà tout est éliminé, il ne reste plus rien? C'est correct. Spécifiquement, bien. Alors, on va regarder la production d'avalantonine, qui est cette hormone qui régit tous les cycles biologiques, y compris veille-sommeil, et les systèmes d'auto-guérison. À quel pourcentage tu vois qu'elle est activée, produite ici et maintenant? 39%. Donc, tu le programmes pour être à 100%, tout en tenant compte des variations nécessaires à la biologie. Oui. Voilà. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. En ce qui concerne les troubles du sommeil, est-ce que tu vois que maintenant c'est réglé ou tu vois d'autres choses à faire? Il y a des reconnexions, des rééquilibrages à faire. Alors, allons-y. Donc, je refais toute la ronde? Oui. Alors,
Donc tu reconnectes et tu réinformes ces deux lettres. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et érotisé. Oui. Harmonisé. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Comment tu vois maintenant ces phases de sommeil? C'est équilibré. Les cycles sont réguliers. Tout s'est stabilisé maintenant. Bien. Alors, on va regarder maintenant, et comme il est sujet à l'apnée du sommeil, qu'est-ce qui se passe? C'était directement lié au dysfonctionnement de la glande pinéale. Donc là, c'est réglé avec? Mmh, oui, ça faisait des... comme un jeu de domino, c'est en cascade. Mmh. Ça génère des conséquences en cascade. Très bien. Alors, on va regarder maintenant son système neuronal, nerveux central, ORL, visuel et respiratoire. Comment les vois-tu? Là aussi, il reste encore des empreintes traumatiques hein, avec leurs échos et résonances. Et des restes de programmation dysfonctionnante aussi. Alors, on délimite tout ça sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. Que chacune et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et érotisé. Oui. Alors maintenant, regarde l'équilibre du cerveau droit-gauche. Il y a des ajustements qui restent à finaliser. Oui, il ne reste plus rien de ce qui les séparait. Non. Bien. Alors, allons-y. C'est fait. Au niveau neuronal, est-ce que tu as des reconnexions à faire? Oui. Dans toutes les zones de son cerveau. Allons-y. C'est fait. Est-ce que tu as d'autres choses à faire? Des équilibrages encore qui restent à finaliser. Allons-y. Ah, c'est fait. Est-ce que tu as autre chose encore? Non, là, c'est correct. Alors, stabilise, sécurise. D'abord, tu harmonises tout ça. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Bien, on va regarder maintenant les systèmes circulatoires, sanguins, lymphatiques et énergétiques. Comment les vois-tu? Il y a encore des désynchronisations qui sont là présentes. Parce qu'il y a encore des empreintes traumatiques avec leurs échos et résonances qui sont là, comme résiduelles. Alors, on élimine tout sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. Voilà, et que chacun et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. Oui. Apport d'énergie et de vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et érotisé, ce qui doit l'être. Hein. Oui. Harmonise. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà. Maintenant, on va regarder son système digestif et métabolique avec tous les systèmes d'élimination. Oui, l'énergie n'y circule pas correctement. Mmh. C'est par à-coups. C'est ralenti dans l'ensemble. C'est par à-coups, quelquefois il y a une pression et qui se relâche soudainement. Ça vient déséquilibrer tout l'ensemble de fonctionnement. Et ça vient d'où ça? Ça vient des programmations de fonctionnement de l'élémental du corps physique, mais qui sont inadéquates, inadaptées, et qui sont là en réaction de sa situation énergétique précédente. Et il y a des mémoires traumatiques aussi avec écho et résonance qui sont là encore restantes. Alors, on élimine tout sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. Donc, son élémentaire a remarqué que la situation a changé. Oui. Très bien. Alors que tout soit reconnecté et réinformé. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et érotisé. Oui. Voilà, donc avant de conclure, comme il est sujet aux hémorroïdes, regarde si c'est réglé avec ce qu'on a fait ou tu vois une intervention spécifique à faire. Un apport d'énergie vitale et d'équilibre à apporter en supplément. Allons-y.
C'est fait. Tu vois autre chose? Non, là, c'est correct. Très bien. Donc, on n'a pas conclu encore. Donc, les troubles digestifs, colon irritable, des gaz excessifs, qu'est-ce qui se passe là aussi? Mais c'est ce qui a été vu déjà. D'accord. Juste avant, c'est l'énergie qui ne circulait pas correctement. Alors, est-ce que c'est réglé avec ce qu'on a fait? Oui. Ok. Pour le colon, tout ça, pas l'intervention spécifique? Un apport d'énergie vitale, d'équilibre pour maintenir cette nouvelle situation énergétique dans le temps. Allons-y. C'est fait. Voilà. Alors maintenant que tout ce qui a été fait soit harmonisé, oui, stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. C'est fait. Parfait. Alors donc, la fatigue chronique, les yeux qui collent, qu'est-ce qui se passe au niveau de ces yeux? C'est cette sorte de brouillard noir, dense, qui venait modifier tout au niveau de la tête. Là. Ça venait modifier ses perceptions, modifier ses systèmes de fonctionnement aussi, au niveau du système visuel. Est-ce que tu vois que c'est régularisé ou tu vois des choses à éliminer encore? Il en reste comme des sortes de traces gluantes, des traces énergétiques gluantes. De cette brume, c'est comme de la buée noirâtre. Alors, est-ce que tu vois qu'il y a d'autres parties de son corps où c'est la même chose, qu'on puisse tout traiter globalement? Il y en a diffusé un peu partout dans toute sa physicalité. Voilà. Donc, on va tout faire en même temps, d'accord? Oui. Alors, on limite tout jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3, sur tous les plans. C'est fait. Voilà. Donc, on fait des reconnexions et des réinformations? Oui. Allons-y. C'est fait. Apport d'énergie et vitalité? Oui. Équilibré et synchronisé? Oui. Réaligné et retissé? Oui. Et avant de continuer, on va regarder pourquoi est-ce qu'il n'a pas de larmes. La sécheresse des yeux. Mais c'est l'information circulante dans ces systèmes biologiques qui était déviée et bloquée. Donc ça en fait partie de le système lacrymal. Donc ça a été réglé ou faut le faire spécialement? Non, ça a été réglé. Très bien. Alors donc que tout soit harmonisé. Oui. Stabiliser, sécuriser, pérenniser. Oui. Et concrétiser, bien sûr. Oui. Bien. Alors, on va regarder au niveau des acouphènes. On retrouve les mêmes causes que celles qui venaient gêner le fonctionnement du système visuel. Ça a été traité avec, hein? Oui, ça a été traité avec. Mais il y a des rééquilibrages là, à faire, des réinformations, des rééquilibrages, notamment entre le côté gauche et le côté droit. Alors, allons-y. Tu reconnectes, tu réinformes. C'est fait. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et retissé. Oui. Harmonisé. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà. Alors, donc, arythmie, donc, qu'est-ce qui se passe au niveau du cœur? Il y a une fréquence basse qui est là tout autour de la cage thoracique. Ça vient exercer une pression lourde, étouffante. C'est une réaction de l'élémental du corps de survie qui crée ces arythmies. Qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer maintenant? Il y a des mémoires traumatiques avec écho et résonance. Et puis aussi des habitudes de fonctionnement, de réaction avec leur programmation associée, mais qui sont comme inadaptées et disproportionnées. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. Et que chacune des parties et l'ensemble soient reconnectées et réinformées.
Oui. Un apport d'énergie et de vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et retissé. Oui. Harmonisez l'ensemble. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Bien. Alors, au niveau de ses cervicales, qu'est-ce que tu y vois là? Sur cette zone-là, il y avait comme un poids. C'est un poids de contrôle. C'est comme une sorte de collier, tu sais, quand tu saisis un collier, mais par l'arrière pour maintenir, contrôler et rabaisser en fréquence. Donc, c'est quelque chose de lourd, comme une sorte de pince puissante. Donc, c'est noir, c'est toujours de cette même énergie noire condensée qui était là, sur cette zone-là. D'accord. Est-ce que les kystes qu'il a sur la nuque, surtout côté droit, et du cou, et aussi à gauche, est-ce que ça a à voir avec ça? Oui, c'est des réactions de défense de l'élémental du corps physique pour créer de la matière entre cette chose-là blessante et le corps physique lui-même. Donc, on va tout traiter d'un coup, d'accord? Oui. Qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer maintenant, alors? Il y a des mémoires traumatiques avec écho et résonance, et puis aussi des programmations de réaction de l'élémental du corps physique, hein, notamment pour créer cette matière-là comme une sorte de coussin de défense. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans, jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. Que tout soit reconnecté et réinformé. Oui. Apport d'énergie et de vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et retissé. Oui. Et on va inviter l'élémental à faire ce qu'il faut pour dissoudre donc tous ces kystes partout où il y en a. Oui. Voilà, harmoniser l'ensemble. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Bien, alors, recrudescence de névralgie au cervical, derrière le troisième œil, ça lui fait des céphalées. C'était quoi? Au fur et à mesure de l'avancée dans l'incarnation, il y a cette sorte de brume noire qui devient plus dense et qui est plus présente et plus dense, plus lourde et qui vient gêner le fonctionnement de tous ces circuits neurologiques, système nerveux central, tous les trajets des nerfs aussi. Ça vient impacter aussi la circulation sanguine, lymphatique et énergétique. Bon, on a traité tout ça. Est-ce que tu vois des interventions spécifiques à faire? Des reconnexions et des rééquilibrages dans cette zone-là, précisément. Alors, allons-y. C'est fait. Besoin de réinformer? Oui. Allons-y. C'est fait. Apport d'énergie, vitalité? Oui. Équilibré et synchronisé? Oui. Et réaligné et retissé ce qui doit l'être? Oui. Harmonise? Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise? Oui. Voilà. Donc, il a eu 3 opérations donc dans le nez pour la cloison nasale. Bon, on lui aurait massacré sa cloison. Il a une mauvaise respiration à gauche. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Une tentative de prise de contrôle totale sur lui pour bloquer toute tentative de rébellion de sa part, de la partie physique incarnée. Et c'était qui alors, cette tentative? C'est des entités démoniaques puissantes dans les 5 là en hiérarchie, c'est la 3e. D'accord, bien. Alors, est-ce que tu vois qu'il reste quelque chose à éliminer là? Oui, il en reste des mémoires traumatiques avec leurs échos et résonances. Et aussi c'est des programmations
C'est comme des programmations de reconstruction, mais qui sont déviées. Donc, au lieu d'améliorer la situation sur le plan physique, ça vient au contraire l'aggraver. Ok. Alors, on élimine ça sur tous les plans, jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. Et que tout soit reconnecté et réinformé. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et retissé. Oui. Et son élémental va installer une programmation de reconstruction selon les normes, donc les normes initiales, initiaux. C'est fait. Voilà. On harmonise tout ça. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Comment tu vois sa cloison nasale maintenant et sa respiration? C'est fluide maintenant, l'énergie circule de façon fluide, légère et haute en fréquence. D'accord. Ça, c'est équilibré. Parfait. Alors, au niveau du cholestérol, qu'est-ce qui fait qu'il y a un excès de cholestérol? C'est comme une poussée, la montée, elle est due à une réaction inappropriée de l'élémental du corps physique. C'est toujours une tentative de réaction, de rééquilibrage par rapport à toute cette pression-là qu'il y avait sur lui et sur tous ses systèmes de fonctionnement. Tu vois des choses à éliminer? Oui, ses habitudes de fonctionnement avec les programmations associées qui sont inadaptées, décalées. Il y a des mémoires traumatiques aussi avec écho et résonance. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. Voilà, et que tout soit reconnecté et réinformé. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré, synchronisé. Oui. Réaligné et retissé. Oui. Harmoniser l'ensemble. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. Oui. Voilà. Alors, au niveau des allergies, il y a des allergies aux huîtres, aux moules, ça les crée des boutons rouges. D'où ça vient? Qu'est-ce qui se passe? Parce que tous ces systèmes de biologiques, en fait, sont décalés. Ça crée des sautes, des dysfonctionnements, mais qui ne devraient pas être. Il y a une sorte de confusion dans les réactions de l'élémental du corps physique. Donc, on a réglé ça? Oui. Tu vois un travail spécifique maintenant pour ces allergies? Oui, des réinformations, des reconnexions à faire. Rien à éliminer? Il n'y a pas de programmation, de réaction? Si, il y a des programmations de réaction qui sont inappropriées et des mémoires traumatiques à ces substances. Alors, on élimine tout sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. C'est fait. Donc, on reconnecte et on réinforme? Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et retissé. Oui, ton micro est très bas. Ah, réaligné et retissé. Oui. Ça va mieux là? Oui. Voilà. Donc, harmoniser. Oui, c'est fait. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Voilà, perte de cheveux. Qu'est-ce qui se passe à sa perte de cheveux? Une fuite d'énergie par la tête. C'est comme une cocotte minute qui laisse échapper de la vapeur. Donc là, qui laisse échapper de l'énergie pour tenter de se rééquilibrer. Donc c'est l'élémental du corps qui tente de se rééquilibrer en laissant s'échapper de l'énergie de la tête, puisque dans cette zone-là de la tête, il y avait cette concentration de cette sorte de brume noire. Bien. Qu'est-ce que ça a été réglé, ça? Donc, c'est des conséquences, en fait, les pertes de cheveux. Oui, ça a été réglé, mais il peut quand même, dans les zones concernées, redynamiser, c'est-à-dire faire un apport d'énergie vitale. Mais avant, il n'y aurait plus rien à éliminer. Non. Très bien. Donc, allons-y pour l'énergie vitale. Oui. Et il va y mettre des cellules souches et arroser avec de l'eau primordiale.
C'est fait. Voilà. Et programmer donc une repousse des cheveux par toutes les voies nécessaires. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Alors, névralgie du périnée, qu'est-ce qui se passe? C'est très douloureux. C'est... Alors, là aussi, c'est une réaction de l'élémental du corps physique par rapport à la tentative d'ancrage artificiel. Puisque tout l'élémental de son corps est en réaction à la fois de rejet de sa situation d'interférence et à la fois de tentative d'adaptation pour s'ancrer là dans la réalité des humains en 3D. Mais ces tentatives-là, on va dire naturelles, avec ses propres énergies, la signature de ses énergies à lui, c'est incompatible avec cet ancrage artificiel. Pour maintenir l'ancrage artificiel, il est là pour maintenir la conscience dans la physicalité 3D, pour qu'elle ne regarde pas ailleurs. Donc ça crée comme une sorte de choc électrique entre ces énergies et ces énergies artificielles. Qu'est-ce que vois-tu qu'il y a à éliminer maintenant alors? Il y a des mémoires traumatiques avec écho et résonance à éliminer. Et aussi des programmations de fonctionnement de rejet de l'élémental du corps physique, mais qui sont inappropriées. Alors, on élimine tout sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. Donc, que tout soit reconnecté et réinformé. Oui. Donc, au niveau de son ancrage, il est bien ancré, on est d'accord. Hein? Oui. Donc, apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Et réaligné et érotisé, ce qui doit l'être. Oui. Harmonisé. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà. Alors, ce fameux point de douleur qu'il a en haut à droite de la pinéale, qu'est-ce que c'était? C'est la même chose, c'est, on va dire c'est l'équivalence de ce qui se passe en bas, et là ça se passe en haut pour la connexion ciel. Bien. Donc est-ce que tu vois qu'il reste quelque chose avec ce qu'on a fait? Et c'est décalé en fait, parce que c'est la connexion artificielle qui est décalée. Il en reste encore des résidus de mémoire traumatique avec leurs échos et résonances. Pas de programmation? Pas en l'état, c'est-à-dire qu'il y a des morceaux de programmation qui sont là restants, mais inopérants. Alors, on les élimine aussi, alors. Allez, sur tous les plans, on élimine tout, jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. Donc, l'appareil, on reconnecte et on réinforme. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné, rotissé. Oui. Harmonise. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Parfait. Alors, donc, on va continuer sur cette phobie de l'avion. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, qu'est-ce qui se passe pour qu'il ait la phobie de l'avion? Cette fameuse panique qu'il a vécue donc, en 2001 avec son père. Il était donc aux commandes d'un avion. Non, ça, c'était après. Donc, en 2001, c'est cette panique qu'il a eue dans l'avion en tant que passager avec son père. Qu'est-ce qui s'est passé là? Déjà, il y a deux choses différentes. La phobie de l'avion, c'est une programmation artificielle pour empêcher la remontée de réminiscences de mémoire. Donc, on va s'occuper d'abord de ça, alors. Mm-hmm. Est-ce que tu vois qu'il en reste quelque chose? Oh oui, il en reste des mémoires traumatiques bloquantes avec écho et résonance. Et des programmations de fonctionnement bloquantes, elles aussi. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. Et maintenant, on va reconnecter et réinformer. Oui.
un apport d'énergie et de vitalité. Oui. Équilibré, synchronisé. Oui. Réaligné, érotisé. Oui. Harmoniser l'ensemble. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Voilà. Et il va se reconnecter à cette mémoire qu'ils ont voulu lui enlever. Donc cette mémoire de toutes ces expériences de vie. Est-ce que c'est correct pour toi? Oui. Allons-y. C'est fait. Voilà. Comment tu le vois à présent? Apaisé. Il y a cette anxiété-là sous-jacente qui s'est effacée, dissipée. Bien. Alors, on va faire une expérience. D'abord, qu'est-ce que ça lui fait ressentir, ce nouvel état, par rapport à l'ancien? Une sensation de bien-être, de légèreté. Le fait de se ressentir centré, équilibré. Et de la satisfaction aussi par rapport à ce nouvel état d'être. Alors qu'ils prennent le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui. Voilà. Et il envoie tout ça dans toutes ses parties, son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, jusqu'à son âme. Oui. Comme un téléchargement dans toutes ses parties. Oui. Voilà. Stabilise, sécurise, pérennise. Concrétise. Oui. On va regarder dans le futur, au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie dans sa meilleure version. Je veux savoir comment il se sent dans un avion à présent. Neutre. En tant que passager et en tant que pilote. Mmh. Neutre, équilibré, calme et tranquille. Bien, parfait. Alors là aussi, qui prétend le ressentir, l'apprécier, savourer. Oui. Et donc, il va donc ramener tout ça dans toutes ses parties. Oui. De stabiliser, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Voilà. Alors maintenant, on va aller voir ce qui s'est passé. Pourquoi il y a eu cette crise de panique dans cet avion en tant que passager avec son père? Une sorte de vibration dissonante qui s'est mise en place. Comme une sorte de programmation qui s'est déclenchée. Une programmation de décrochage, de défaillance. Une programmation d'isolement, de fragmentation. C'est comme si tout s'était fissuré et fragmenté dans son espace énergétique à ce moment-là. D'accord. Et qu'est-ce qui a déclenché cette programmation? Ça vient directement du système archontique. Bien. C'est ne pas s'approcher trop près. Il y a des systèmes de défense automatique par rapport à ce système archontique-là. Donc, tout ce qui est perçu, détecté comme pouvant représenter un danger ou dissonant, mais pour ce système archontique, il y a des systèmes de défense en fait. Mais en quoi est-ce qu'il peut se sentir menacé, le système archontique? Je ne comprends pas. De par la nature de son essence et de par tout ce qui était en train de se passer pour lui sur plusieurs plans différents simultanément. C'est pour éviter que des lignes de temps viennent s'entrechoquer ou pour qu'il y ait des prises de conscience qui se fassent. Ça sert à le fragmenter et à couper des lignes de temps. D'accord, ok. Alors, est-ce qu'il reste quelque chose de tout ça, de ces programmations et du reste? Les programmations ne sont pas restées en fait sur lui. C'est le même effet que quand tu vas toucher une clôture électrique et que tu reçois le choc en retour. Ah, c'est une programmation qui est plutôt autour de lui alors, oui. Dans l'espace. Oui. Ok. Mais est-ce que maintenant,
avec ce qui a été fait aujourd'hui, s'il retournait dans la même situation, est-ce qu'il serait affecté de la même façon ? Pour ne pas l'être, il faut qu'il en enlève les mémoires traumatiques avec leurs échos et résonances. Voilà. Et des programmations, mais qu'il s'est lui-même installé, de réactions par rapport à ce type de mise en situation. Ok. Tu vois autre chose enlever ou tout est vu ? Non, si, c'est correct. Là, comme alors, on élimine tous les plans jusqu'au réminiscence. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et là, pour faire plus court, eh ben, il va directement prendre conscience de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'il porte sur son chakra cardiaque. Oui. Il en active tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions. Oui. Il peut sentir ce sentiment de complétude, d'invulnérabilité et de sécurité intérieure, un sentiment du paix invulnérable. Oui. Voilà. Comment est-ce que tu le vois maintenant ? Apaisé et tranquille. Hein. Alors, on va voir comment ? Sensation de complétude, de sécurisation intérieure qui s'expanse, qui est la bienfaisante. Alors, on va voir comment ça se passe maintenant. On va le remettre dans ce même avion, au même moment. Et je veux savoir comment il vit cet événement à présent. Ben, il ne revit pas l'événement. Il ne se passe rien, il n'est pas sur les mêmes fréquences. Bien. Alors, maintenant qu'il remarque cette différence par rapport à l'ancienne situation, qu'est-ce que ça lui fait ressentir ? Une sensation de légèreté. Et de plaisir aussi, de se ressentir et de constater qu'il est détaché de ce type de fréquence-là. Alors qu'il est temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui. Il ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement, toutes ses parties, son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN jusqu'à son âme. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà. Donc, pareil, l'autre événement où il était aux commandes d'un avion, cette fois, voilà. Il a eu cette perte de conscience. Et c'était un moment où c'était l'entrée en fonction de George Bush. Je ne sais pas si l'événement a un lien ou pas. Qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Mais c'est le même système de défense que la situation précédente qui s'est déclenchée. Ça s'est manifesté de façon différente, mais la cause originelle est la même. D'accord. Cette fois, c'était la perte de conscience. Donc, c'était traité avec, alors il ne reste plus rien, on est d'accord ? Il n'y a plus rien. Eh ben, c'est parfait. Bien. Est-ce que ça a un sens que son père était présent dans les événements à chaque fois ou pas ? Il est utilisé comme manette de déclenchement, comme intermédiaire, comme interface. Ah bon ? Comment ça ? Pour avoir un accès à son corps émotionnel. Ah d'accord, au niveau de l'émotion. Oui. Des sentiments qu'il éprouve envers son père, c'est ça ? Oui, le lien familial. Donc son père était interféré. Mais c'est toute la lignée qui était interféré. D'accord. Ce qui n'est plus le cas maintenant, bien sûr. Non. Voilà, maintenant on sait. Qu'est-ce qui s'est passé quand il dit qu'il a atterri quand même, malgré cette situation, sur la piste comme un miracle ? C'est sa partie subliminale qui est venue en soutien de la partie physique. D'accord. On va dire que c'est son ange gardien intérieur, alors. Oui, quelque chose comme ça. Oui, pour faire un peu d'humour. Hein. Ok, ben voilà, maintenant, il le saura. Bien, alors, cette espèce de magie noire qu'il aurait subie, j'aimerais que tu regardes si c'est vraiment ce qui s'est passé. Mais ça dépend ce que tu appelles magie noire. Alors, est-ce que des choses auraient été faites à son encontre par des personnalités humaines ? Quand on parle de magie noire, non, d'accord, ok.
Donc c'est clair et net et précis. Donc quand il pense que dans son activité qui était en lien avec les francs-maçons, tout ce qu'il nous a raconté, tout ça n'a rien à voir avec ce qui lui est arrivé. Si, mais indirectement, c'est-à-dire que tout dépend ce que tu appelles magie noire. Si c'est directement magie d'une personne humaine à l'encontre d'une autre personne humaine, ça n'est pas ce cas-là. Alors, c'est quoi une magie beaucoup plus puissante, à une échelle beaucoup plus large et d'origine non humaine, qui est là pour maintenir sous pression et sous contrôle tous les humains qui sont soit directement impliqués, soit indirectement dans certains cercles, on va dire de contrôle du fonctionnement des sociétés humaines. Là, il y a des systèmes automatiques de contrôle qui sont là. D'accord. Et donc là, en ce qui concerne John, est-ce que tu vois qu'il reste quelque chose de ça ? Alors, indirectement, non, mais le concernant lui, oui, il en reste des mémoires traumatiques avec écho et résonance. Alors, on a limité ça sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et donc, toujours en contact avec la source par son intention. Et son attention, donc il peut ressentir ce sentiment de sécurité, de tranquillité, de paix, d'invulnérabilité. Il ressent pleinement sa nature éternelle, infinie et toute puissante. Oui. Comment le vois-tu maintenant ? Apaisé et léger. Il y a cette sensation de bien-être et de légèreté, cette sensation d'être libéré. Et en même temps, c'est joyeux, c'est plaisant et c'est apaisant. Alors qu'il prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de savourer. Oui. Et le télécharge dans toutes ses parties jusqu'à son âme. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Alors, autre point, donc il a été violenté par sa mère dans son enfance. Il a eu une artère coupée au pied, il a eu une septicémie, perte des litres de sang. Qu'est-ce qui s'est passé là en fait ? Qu'est-ce qui fait qu'il avait subi cette situation d'abord ? Là encore, c'est lié à la programmation de la lignée, mais cette programmation, elle est. C'est comme si elle n'était pas très bien adaptée. Elle est parfois dissonante. Et donc, ça crée ça peut créer, mais ça crée souvent des situations qui vont à l'encontre, en fait, du système de contrôle voulu. Donc, dans son cas, il n'était pas souhaitable qu'il sorte de l'incarnation. Donc, le fait qu'il ait vécu cette expérience-là, c'est quelque chose d'incontrôlé. Donc, il a été comme rattrapé de justesse pour qu'il réintègre l'incarnation. D'accord. Donc, quand il dit qu'il avait cette EMI, qu'il a vu cette lumière blanche, qu'est-ce qu'il a vu exactement ? C'est l'appel des roues d'incarnation qu'il a vu. C'est une sorte d'un. Enfin, c'est imagé quand je dis ça. C'est une sorte d'hologramme énergétique qui génère un magnétisme, une attirance, un appel, mais qui ramène vers les roues d'incarnation. En arrière-plan de cet hologramme-là, de cette sorte d'hologramme, il y a les roues d'incarnation. D'accord, mais là, comme il était déjà incarné, il ne pouvait pas être appelé à d'autres roues d'incarnation. S'il était sorti, si. Ah, s'il était sorti, d'accord. Ok, et donc il est revenu, ce sont les entités qui le contrôlent, qui l'ont fait revenir. Oui. D'accord, parce qu'ils ont encore besoin de lui. Oui. Très bien. Voilà, donc nous en étions... Tac, tac, tac... on va regarder maintenant son corps mental. Je veux que tu regardes toutes les programmations limitantes que tu y vois, avec les croyances qu'il a dû en développer.
Il y a comme une sorte de chape occultante dans le corps mental. Une chape occultante de brouillage. De brouillage qui vient déformer ses perceptions, qui vient déformer la réalité. C'est limitant. Quelles sont les croyances qu'il a développées à partir de ça ? Croyances limitantes, bien sûr. Qu'il n'a ni les connaissances nécessaires, ni la puissance pour pouvoir passer par-delà ces programmations-là. Bien. Alors, sur cette nouvelle de temps, avec tout ce qui a été vu, compris, entendu et intégré, qu'en pensent toutes ces autres parties ? De la perspective où il se trouve maintenant, c'est-à-dire au-dessus de ces programmations-là, maintenant qu'il est relié à sa propre puissance intérieure, il s'aperçoit de leur nature que ce ne sont que des programmations qui sont agissantes uniquement dans des zones de basse fréquence. Mais il se rend compte qu'il peut aller bien au-delà de ces zones de fréquence-là, bien au-delà de ces programmations, et qu'il peut aussi les dégager de sa réalité. Et c'est ce qu'il fait maintenant. Oui. Bien. Alors, qu'est-ce que tu vois qu'il en reste ? Il en reste des habitudes de fonctionnement avec les programmations associées et puis des mémoires traumatiques avec écho et résonance. Alors, on élimine tout sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. Voilà, à présent, je veux qu'on revienne sur l'ancienne ligne de temps, que tu regardes son corps émotionnel avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient liés à cette ancienne situation. Il y a des sensations de blocage, de brouillage aussi, ça crée des frustrations, ça crée de la colère par rapport à ces frustrations et de la culpabilité aussi de ne pas arriver à dominer toutes ces émotions-là qui viennent se bousculer. Ça vient générer aussi de la perte d'estime de lui-même, ça vient générer une basse estime de lui-même. Il y a des grandes fuites d'énergie aussi. Il y a une sous-estime de lui-même. Il y a quelque chose de lourd qui est là en lui. Une sorte d'anxiété qui est là en arrière-plan. De la tristesse qui est là, lourde, qui vient le tirer vers le bas. Une sorte d'anxiété, de peur qui est là en arrière-plan sans arriver à en trouver la cause. Et ça vient lui aspirer de l'énergie aussi. C'est bon. On va regarder du côté des 5 blessures principales qui sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice. Lesquelles sont prédominantes chez lui et comment s'expriment-elles ? Il y a le sentiment d'injustice de ses conditions d'incarnation qui sont là limitées. Il y a la sensation de la partie physique d'avoir été trahi par le soi supérieur pour avoir été rejeté et abandonné dans ces situations d'incarnation-là, dans lesquelles il se sent comme prisonnier, bloqué et limité. Donc pour pouvoir fonctionner quand même dans l'incarnation, il a mis en place des systèmes de... on va dire de dérivation de voies parallèles pour pouvoir fonctionner quand même. C'est-à-dire que quand une voie de fonctionnement est bloquée, il va en prendre une autre. Quand celle-ci se trouve bloquée à son tour, il va en prendre une autre. Donc ça lui permet de continuer à avancer quand même dans l'incarnation, mais tout en se... coupant comme une forme d'auto-sabotage, tout en se coupant de partie de lui-même, parce qu'il y a cette obligation-là de continuer à avancer dans l'incarnation. Une réaction de survie. Il est impératif de continuer à avancer. Mais pour échapper aussi à ce qu'il ressent comme étant une menace indistincte, là, en arrière-plan. Donc c'est la façon qu'il a trouvée pour fonctionner, de se protéger de cette menace-là indistincte, de se protéger de ce qu'il ne comprend pas et de ce qui s'avère être menaçant aussi parce qu'il ne le comprend pas.
comme il n'arrive pas à cerner son adversaire, il y a cette sorte de fuite en avant, toujours un pas sur le côté et fuite en avant. Mais cette façon-là de fonctionner vient le couper de ses connexions avec son soi supérieur. Ça vient le couper d'avec ses, ouais, c'est ça, ses connexions et aussi ses capacités de réaction avec sa puissance intérieure. Donc, au fur et à mesure de l'avancée dans l'incarnation, ça a pour conséquence que la partie physique a de moins en moins de capacité de s'équilibrer et de se remettre à niveau. Mais c'est la seule façon qu'il a trouvé de fonctionner dans l'incarnation. C'est bon. Alors, je rappelle qu'il s'agit là, bien sûr, de l'ancienne ligne de temps. Ton micro. Oui, là, tu m'entends pas bien. C'est bon, là. Pas bon. Là, est-ce que tu m'entends? Je parle plus fort. Loin. Là, c'est mieux. Loin. Là, c'est mieux. Ah. Donc, je rappelle qu'il s'agit là de l'ancienne ligne de temps pour que tu aies des compréhensions de comment tu fonctionnais et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Sur cette nouvelle ligne de temps, est-ce que tu vois qu'il reste quelque chose? Ah oui, il en reste des habitudes de fonctionnement avec les programmations associées. Mmh. Et puis des mémoires traumatiques aussi avec écho et résonance. Alors, on délimite tout sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Est-ce que tu vois qu'il reste quelque chose en arrière-plan? Non. Bien, parfait. Avant de continuer, j'aimerais que tu vérifies de cette partie de lui qui est en quatrième dimension, ou qui était, je ne sais pas, justement, qui avait une partie de sa biologie, de son essence, et une partie robotisée. Qu'est-ce qu'elle est devenue là maintenant, ici et maintenant? Il ne reste plus que la partie robotisée. Bien. Cette partie robotisée est en quatrième dimension. Oui. Et sa partie de lui, dans quel sens? Il l'a réintégré, il s'est réunifié, c'est ça? Non, il a coupé d'avec cette partie-là en récupérant uniquement son essence. Ce qui était de son essence, oui. Voilà, c'est ça, c'est ce que je veux savoir. Et cette partie en 4D, donc elle y réside encore? Oui. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que c'est de la laisser dans cette position, dans son autonomie, ou carrément la renvoyer d'où elle vient, ou lui ouvrir un portail et qu'elle parte là où elle doit aller? Lui ouvrir un portail, parce qu'il y a cette possibilité, c'est un réceptacle qui peut recevoir éventuellement une autre conscience. Voilà, qui peut être un piège pour notre conscience, c'est ça? Oui. Très bien. Alors, on ouvre un portail dimensionnel. Oui. Et elle s'en va. Allez, 1, 2, 3. Là où elle doit aller, où c'est le mieux pour elle. C'est fait. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Voilà. Donc, allez, du coup, si tu regardes, où est-ce qu'elle est partie, là? Elle est partie dans une sorte de... ce que nous, on conçoit comme étant un trou noir. Hmm. Ok. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de... Dématérialisé, quoi. C'est ça, c'est dématérialisé. Il n'y a plus d'informations, de formes organisées. C'est-à-dire qu'elle est repartie au néant. Oui. D'accord. Parfait. Je voulais juste savoir. Bien. Alors, donc, sur cette nouvelle de temps, il est toujours en conscience de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'il porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. Oui. Et chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie et pétille. Oui. Chaque particule à l'intérieur, sur et autour de lui également. Oui. Comment vois-tu John à présent? Léger, apaisé, équilibré et tranquille. Il y a quelque chose de paisible qui est là maintenant, qui lui apporte de la joie et du plaisir d'être là dans l'incarnation. Alors qu'il peut être en train de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui. Et il installe une programmation selon laquelle, chaque fois qu'il en aura envie ou besoin, il pourra ressentir pleinement cet état, même s'il est installé là, dorénavant, en permanence. Oui.
Il rajoute cette programmation à sa bulle de réalité, à chacune de ses bulles de création, qu'elle soit professionnelle, familiale, pourquoi pas amoureuse, matérielle, financière, enfin bon, tout ce qui constitue le tissu de son existence en tant qu'humain. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Maintenant, je veux que nous partions de la source et je veux savoir comment il vit cet événement qu'on appelle communément la séparation, qui se vit bien souvent par un traumatisme. Comment ça se passe pour lui avec ses nouvelles compréhensions et dans ses nouvelles conditions? Il garde l'intention ferme et la volonté puissante de toujours garder présent en lui la mémoire de ce qu'il est, de son essence divine, quelles que soient les manifestations de son essence, quelles que soient ses incarnations. Quel que soit l'espace, le temps et quelles que soient les circonstances. Que ressent-il au sortir de la source avec tout ce qui se profile devant lui en termes de possibilités, de potentialités et de cette existence en tant que John? Il y a de l'attirance, il y a de la curiosité, il y a de la pétillance aussi devant toutes ces situations d'expérimentation qui se déroulent là devant lui. Il y a de la joie et du plaisir d'anticipation. Alors qu'il prend le temps de le ressentir, apprécier, savourer. Oui. Il le rajoute à sa programmation, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Et il ramène tout ça ici et maintenant dans toutes ses parties, son mental ego comme intelligent de chargement, son mental ego, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, jusque dans son âme. Oui. Et il se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une intégration parfaite, et l'amour qu'il est. Oui. Il peut ressentir ce sentiment de sécurité intérieure, inébranlable et inaliénable. Oui. Le sentiment de sa propre dignité et légitimité. Oui. Celui d'être à sa juste place, où qu'il soit et quoi qu'il fasse, avec plaisir, amour et joie. Oui. Et le sentiment de sa propre valeur, quels qu'aient été les résultats des passés, présents, futurs, il sait que tout est juste, que tout a sa fonction utile, que tout a une valeur d'expérience et d'apprentissage, même ce qu'on appelle l'erreur ou la négativité. Oui. Il repasse par chacune des vies vécues sur Terre et ailleurs jusqu'à la source, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. Oui. Il revient ici et maintenant, la boucle est bouclée, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Comment vois-tu John à présent? Centré, équilibré et apaisé. Il est en contact, en connexion directe avec les autres parties de lui, avec sa puissance intérieure qu'il ressent jusque physiquement. Il ressent cette puissance qui monte. Ça vient éclairer son espace intérieur et à sa conscience qui s'expanse. Ça lui permet d'apprécier l'instant présent, d'y trouver du plaisir et ça lui permet d'apprécier aussi le fait d'être là, présent, et centré dans cette expérience d'incarnation. Il y a de la joie et du plaisir qui sont là. C'est bon. Alors, ça va être le moment des invitations. Mm-hmm. Donc, il a nommé sa mère, sa cousine, enfin ses cousines, la famille en général, les amis en général, son ex-épouse, on va dire tous ceux à qui il est en train de penser. Ce sera plus simple que s'il en a oublié, il les inclut. Oui. Il montre à tout le monde le travail qu'il est en train de faire, propose à chacun de profiter de cette opportunité en prenant conscience de leur situation respective sur tous les plans. Oui. Est-ce que chacun choisit de profiter de cette chance? Oui. Bien. Avant cela, est-ce qu'ils acceptent un petit coup de pouce? Oui. Plus nous avons leur permission, en leur nom, nous allons pouvoir éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux, jusqu'au plan archiavélique.
éliminer également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Chacun rompt tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, donc sur tous les plans, toute dimension, toute fréquence, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît pour tout le monde. 1, 2, 3, sur tous les plans. Oui. Voilà. Chacun se place dans une bulle christique de protection. Se crée des racines jusqu'au cœur du Gaïa, programmé uniquement pour cette existence. Se connecte à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait John pour lui-même, adapté bien sûr à sa propre situation. Oui. Et continue sur ce que nous allons faire jusqu'à la douche finale. Oui. Est-ce que tout le monde s'est mis au travail? Oui. Regarde sa mère en particulier, comment tu la vois? Elle est en train de, comme d'escalader quelque chose. Elle est dans une sorte de caverne virtuelle. Elle est en train de progresser vers la sortie. Bien. Donc tu vois qu'elle est en bonne route. Elle n'a pas besoin d'un coup de main particulier là. Non, c'est correct. Parfait. Très bien. Alors, ça va être le moment de désincarner. Oui. Il a nommé celui qui a été son père. J'aimerais savoir sur quel plan tu le vois et dans quelle situation. Il est dans une sorte de sas intermédiaire dans l'astral. C'est assez comprimé, compressé là, les énergies dans cette zone-là. C'est inconfortable. Alors, identifie-le, regarde, dis-moi si son ADN est bien celui de son essence. Oui. Voilà. Est-ce que tu peux communiquer avec lui? Oui. Alors, tu t'approches de lui, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions, et demande-lui s'il veut, et bien sûr, qui nous envoie, évidemment, hein. Et demande-lui s'il veut être aidé. Oui. Alors, on va le connecter directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent? Ah, ça vient le dégager de cette zone-là, il est beaucoup plus léger. C'est la montée en fréquence qui génère cet effet. Il flotte au-dessus maintenant, librement au-dessus de cette zone-là. Que choisit-il de faire à présent? Est-ce qu'il veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, liberté et souveraineté? Il remonte à la source. Bien. Alors, donc, dis-lui que pour qu'il puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'il récupère toutes les énergies qu'il a laissées sur le plan terrestre, sur tous les plans, et qu'il coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Il se libère totalement. Et libère tout et tous. Oui. Voilà. Avant de remonter, est-ce qu'il veut s'exprimer, dire quelque chose à John et à tous ceux qu'il a aimés sur le plan terrestre? Et tu le retiendras. Hein. Il y a l'expression du soulagement et du remerciement qui va vers celui qui a été son fils. Il lui donne l'information de couper les liens, lui aussi, de couper les liens toxiques. Ça apporte la libération. C'est ce qu'il va faire. Il faut le faire tout de suite. Il peut le faire tout de suite, oui. Eh bien, on va en profiter. Donc, il va faire l'inventaire de tous les liens toxiques dans toutes les directions. Oui. Et il va tous les couper et dissoudre toutes les racines sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. En vois-tu d'autres encore derrière? Oui, en arrière-plan. Alors, idem. 1, 2, 3. C'est fait. En vois-tu encore? Des réminiscences. Idem. 1, 2, 3. Il n'y a plus rien. Voilà. Alors maintenant, est-ce que celui qui a été son père a encore des choses à lui dire?
Et il exprime sa satisfaction et sa joie. Il lui dit, regarde maintenant, tu peux apprécier ta nouvelle liberté. Et ça permet à l'onde d'amour universel de passer librement entre tous les plans, entre celui qui a été le Père et celui qui a été le Fils, mais aussi entre celui qui a été le Père et entre toutes les consciences qu'il a connues et aimées sur le plan physique. Une fois libéré de tous ces liens toxiques, l'énergie circule librement et en toute puissance. C'est bon. Bien. Alors, avant de partir, est-ce que tu peux l'inviter à envoyer de l'énergie et de l'information pour toutes les âmes désincarnées de ces lignées, la lignée paternelle et maternelle de John? Est-ce qu'il peut faire ça? Oui. Alors, allons-y. C'est fait. Voilà, comme ça, chacun aura l'occasion de faire la même chose s'il le choisit. Bien, maintenant, on peut le saluer. Il est parti. Bien. Alors, on va regarder la grand-mère maternelle. Sur quel plan la vois-tu et dans quelle situation? Elle est là, immobile, dans une sorte de structure géométrique transparente. Mais elle est là immobile comme c'est comme quelque chose, une image glacée, quelque chose comme ça. Ah oui, tu veux dire qu'elle est comment? Elle est en stase, elle est bloquée, qu'est-ce qui se passe? Elle est, toutes ses énergies sont comme bloquées par cette structure-là. Ok. Elle n'est pas en stase puisqu'elle est consciente, mais elle voit à l'extérieur de cette structure, mais sans pouvoir agir. Qu'est-ce qu'elle ressent? Une sensation de frustration et un fond d'anxiété aussi. Bien, tu peux communiquer avec elle? Oui. Alors, tu t'approches d'elle, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions, et bien sûr, qui nous envoie, et demande-lui si elle veut que nous l'aidions. Oui. Alors, nous la connectons directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touchée en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à présent? Une montée en fréquence puissante qui vient faire sauter cette structure-là. Elle flotte maintenant, libre et légère. Alors, que veut-elle faire à présent? Remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, liberté, souveraineté? Remonte à la source. Alors, dis-lui que pour elle aussi, pour qu'elle puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toute cette énergie qu'elle a laissée sur Terre, sur tous les plans, et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Elle se libère totalement et libère tout et tous. Oui. Avant de remonter, est-ce qu'elle veut s'exprimer, dire quelque chose à John et à tous ceux qu'elle a aimés sur le plan terrestre? Il y a une onde douce, légère et puissante en même temps, et qui va vers John. C'est du remerciement, mais c'est de l'amour aussi. Léger et puissant. Ça vient se diffuser comme des étincelles, c'est pétillant, ça fait des étincelles pétillantes de lumière, d'énergie. C'est à la fois doux et pétillant et puissant. Elle fait le tour de toutes les consciences qu'elle a connues sur le plan physique terrestre, incarné et au-delà. C'est bon. Eh bien, nous la saluons. Elle est partie. Bien, comme on a fait les deux lignes tout à l'heure. Alors, on revient à John. Oui. Alors, puisque tous les liens toxiques ont été coupés, on va s'occuper des liens avec tous ses noms et prénoms, avec le système de la fausse matrice. Donc, il coupe tous les liens et dissout toutes les racines en ne conservant qu'est-ce qui lui est utile. 1, 2, 3, sur tous les plans. Oui.
couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller et tous les numéros bien sûr équivalents hein, d'où il vient. Je ne vais pas nommer, bien sûr. Donc, il concerne que ce qui est utile. 1, 2, 3. Oui. Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, comme dans les dons du sang prélevé et stocké quelque part, des ongles, des cheveux, de l'ADN, des cellules, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps subtils et physiques, qui n'appartient pas au corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires, délibérées et éclairées. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour de lui. 1, 2, 3. Oui. De son espace moronciel, il récupère toutes ses énergies. Oui. Activation du diamant du cœur avec à l'intérieur fleur de vie, graine de vie et double némiscate activée. Oui. Connexion à la grille cristalline. Oui. Connexion à la grille magnétique originelle. Oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Connexion au soleil central. Oui. Activation de l'implant neutre qu'il peut, je le rappelle, activer lui-même par l'intention. Donc, qui est le point 0, hein, qui peut être activé par l'intention. Oui. Voilà, processus de rajeunissement et de régénération. Activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique. Donc, il peut ressentir et apprécier dès maintenant, et toi également, si tu veux en profiter. Oui. Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Oui. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle de la régénération et du rajeunissement. Oui. Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Et stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Processus d'auto-guérison. Pour toutes les parties qui le nécessitent, il place sa conscience dans l'espace moronciel. Oui. Pour chacune d'elles, il fait descendre informations originelles, énergie et code. Oui. Installe l'arbre de création et l'active dans les deux sens. C'est fait. Installation de fleur de vie, graine de vie et double de némiscate activée. Oui. Il crée son... bombe de vie régénérant qu'il applique à l'intérieur, sur et autour de lui, partout où c'est nécessaire, sur ses cheveux pour faciliter la repousse, et sur tout son corps comme un lifting. Oui. Tu le programmes pour être stable, équilibré et pérennisé. Oui. Maintenant, nous allons revenir sur son ADN. Avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent, j'aimerais que tu me dises combien est-ce que tu vois d'hélices, combien sont connectés et combien sont activés. Il y en a 7 connectés et 6 activés. Il peut activer la 7e ? Oui. Allons-y. C'est fait. Peut-il rajouter de nouveaux programmes ? Oui. Allons-y également. Dis-moi quelle différence ça fera pour lui. Ça vient connecter de nouvelles liaisons d'énergie à l'intérieur de lui, dans ses corps subtils, mais jusque sur le plan physique aussi. Donc, ça vient améliorer sa stabilité sur le plan physique incarné. C'est fait. Il enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issu de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, j'aimerais que tu me dises combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa séance. Entre 9 et 15 mois. Entre 9 et 15, est-ce que tu vois des effets rapides et lesquels ? Oui, des sensations de bien-être, d'équilibre et de légèreté. Est-ce que tu vois des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 9 à 15 mois, plus ou moins, suivant bien sûr la qualité de ses propres compréhensions et de ses attitudes post-séance ?
par vagues reviennent des émotions de basse fréquence, des sensations de mal-être, de déséquilibre physique, de sensations d'être décalé et en déséquilibre. Ça revient dans ces phases de la métabolisation où les anciens repères ne sont plus là déjà et où les nouveaux ne sont pas encore complètement installés. Donc c'est le mental ego pour se sécuriser dans ces phases-là qui vient recréer ces états d'être, ces informations qu'il va rechercher dans le passé pour les recréer dans le présent. Bien. Alors, donc, il suffira bien sûr à John de se souvenir de ce qui a été dit hein, dans ces moments où la métabolisation semble ramener les choses en arrière ou même apparemment s'aggraver. Donc, plus tu resteras confiant, plus tu resteras optimiste et plus tu soutiendras toutes tes parties de toi qui font leur travail, plus ça sera court et meilleur ça sera en qualité et en profondeur. Donc la balle est dans ton camp. Pour soutenir toutes les parties de John, on va aller dans le futur, au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie et dans sa meilleure version, je veux savoir comment il se sent. Il se sent rempli d'énergie vitale. Il y a une nouvelle force ressentie là à l'intérieur de lui qui pulse et qui en même temps est équilibrée. C'est une force, une puissance joyeuse, vivante et heureuse qu'il sent monter et s'expanser à l'intérieur de lui. Ça lui apporte une sensation de bien-être, de plaisir et de joie d'être là dans l'incarnation. Alors qu'il prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer, de le déguster. Oui. Et il ramène tout ça ici et maintenant, comme un téléchargement dans toutes ses parties, son mental ego, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN jusqu'à son âme. Oui. Et pour chacune de ses parties, ça devient le connu, de nouveaux repères, et même des nouvelles références, et même les programmations qu'il peut installer. Oui. Voilà. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Maintenant, au niveau des recommandations qui ont déjà été faites, on ne va pas les refaire. Il suffira d'y revenir. On va regarder à présent son domicile. J'ai envie que tu me dises comment tu le vois. Il y a des passages d'énergie dissonantes et déséquilibrées. C'est dû à quoi ? C'est lié à son ancienne situation énergétique. Alors, j'aimerais que tu regardes des sous-sols, j'aimerais que tu me dises si tu vois des désordres géobiologiques, énergétiques, ésotériques ou autres. Rien qui vienne l'impacter, c'est lié à lui. Alors, il va faire une puissante tornade, il va tout nettoyer, tout fermer, y compris la mémoire des murs, meubles, objets, partout où il sait que c'est nécessaire. Caves et greniers s'il y en a. Oui. Il installe partout fleurs de vie, graines de vie et double de muscat activé, sécurisé. Oui. Sur son compteur électrique qui est à Linky, tu vas y créer un multicouche que tu programmes. Oui. Par-dessus, un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. Oui. Par-dessus encore fleurs de vie, graines de vie et double de muscat activé, sécurisé. Oui. Sur tous les plafonds, il installe un gros boîtier qui va filtrer l'air et nanotechnologie. Oui. Et qui vont produire par ailleurs un puissant effet Niagara avec un son et un parfum qui se modulent. Donc, un puissant effet rafraîchissant et régénérant qui favorise un sommeil profond, tranquille, régénérant avec une respiration ample et tranquille. Oui. Totalement sécurisé et donc tu sécurises également. Oui. Il remplit tout son espace de sa présence et de son énergie. Oui. Il le met dans une bulle cristique de protection et lui également. Oui. Voilà. Maintenant, tu vas programmer les protections des différents états de conscience et tu sécurises également. C'est fait. Relis le début et la fin de la séance et tu les sécurises. Oui. Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de métabolisation complète, totalement réussie et dans sa meilleure version. Oui. Les deux bulles fusionnent et s'expansent.
Oui. Elle vibre, rayonne, irradie et pétille. Oui. À l'intérieur, son élémental qui se réjouit et qui s'ébroue. Oui. Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qui sont comme une boîte à souhaits dans laquelle il peut mettre tout ce qu'il veut réaliser, manifester, concrétiser. Oui. Par-dessus, fleur de vie, graine de vie et double de muscade activée, sécurisée. Oui. Autour, le corps diamantin, en protection contre les influences de la conscience collective et en sécurise également. Oui. À présent, tu vas installer une programmation de protection et de sécurisation pour toute la séance et pour toute la phase de métabolisation, du début jusqu'à la fin pour chacune, sur tous les plans, tout espace-temps, toute ligne de temps, dans tous les plans de réalité, les plans fractales, multidimensionnels et quantiques, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. C'est fait. Et on installe une programmation selon laquelle, lorsqu'il sera le moment de quitter son corps, donc quel que soit son état, quelle que soit la ligne de temps, quelle que soit la situation, il le quitte en toute sécurité, souveraineté et liberté pour remonter à la source ou continuer son chemin. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise cette programmation et concrétise. C'est fait. Et enfin, pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait, durant toute cette séance, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Et on demande au soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. Maintenant, il y a la connexion directe, libre, puissante et sécurisée entre le soi supérieur et la partie physique. A-t-il des conseils à lui donner ? C'est la partie physique qui active cette connexion, et qui la rend puissante et sécurisée par l'entière confiance en ses propres capacités de connexion et par son intention claire et déterminée de centrage, d'alignement et de connexion. Alors, il suffira à John de se souvenir de ce qui a été dit et surtout de l'appliquer, hein, et au besoin de le réécouter. Mmh. Voilà. Alors, comment est-ce que tu vois son âme ? Elle s'est rééquilibrée dans ses énergies. Elle s'est allégée. Elle est là, libre et légère. Et sa partie subliminale ? Elle aussi, elle s'est repositionnée et rééquilibrée par rapport à la partie physique. Elle s'en est rapprochée. Elle crée les connexions de communication avec les différentes parties de lui-même. Alors, ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec lui-même et ses parties supérieures uniquement, bien sûr, et dans cette nouvelle version de John, en ce jour de renaissance pour lui. Oui. Est-ce que tout le monde a terminé le travail ? Oui. Alors, chacun est invité à trouver son portail et sa cascade, et sous cette eau de très haute fréquence composée de sons, lumière, couleurs, énergie, rayons, parfums, géométrie, informations originelles, etc., chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. Oui. Dans la cellule mère de chacun, installe fleur de vie, graine de vie et double limiscate activée, sécurisée. Oui. Connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Atome mère également. Oui. Particules de lumière mère, idem. Oui. Et on termine par la douche christique, or, diamant et bleu. Oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de John avant la séance et quelle est-elle à présent ? 53 et maintenant 172. Alors chacun va sortir de son portail, le fermer derrière soi et retourner à sa place respective. Oui. Est-ce que tu es prête pour le retour ? Oui. Bien, c'est parti.